Comme vous le voyez, l'industrie du sous-vêtement ne représente pas ce secteur de marché. Dû à un changement corporel, elles ont de la difficulté à trouver le bon sous-vêtement. C'est une problématique pour moi et plusieurs autres femmes de mon âge, car ils sont souvent inconfortables et n'ont pas un beau design. Les bretelles marquent mes épaules, la bande taille devient lousse, et avec mes changements corporels lors de ma ménopause, les soutiens-gorge ne s'adaptent pas. Nos soutiens-gorge se distinguent grâce à leurs 5 attaches à l'arrière, des bretelles davantage coussinées, ainsi que de la mousse mémoire en guise de cerceau. Ces avantages répondent aux besoins de confort de la clientèle lorsqu'elle porte leur soutien-gorge. Les collections Basic et Ella seront mises en vente sur les sites Internet le 5 mai 2024 lors du lancement officiel. Les modèles Basic se déclinent dans des couleurs neutres, tandis que les couleurs de la gamme mode s'inspirent des couleurs printanières. Nous servons une clientèle importante en raison du large éventail de tailles que nous proposons, allant de 30 AAA à 48H. Le coût moyen de production pour les modèles Basic est de 19,6 $, avec un achat prévu de 5850 unités, coûtant au total 114 053 $. Le coût moyen de production pour les modèles Fashion est de 19,49 $, avec un achat prévu de 2925 unités, coûtant au total 57 000 $. À noter que les ventes potentielles pour la première année sont de 570 175 $. Notre fabrication est 100% locale et tous les tissus utilisés sont respectueux de l'environnement. Nous travaillerons avec Groupe Rangier comme manufacturier et Fabriqueville comme fournisseur de tissus. Étant donné que les deux sont locaux, il est simple de surveiller de près la qualité des produits et de fabrication. Le point de contact est situé dans le Mile-In. Il est commode et facile d'accès à la clientèle. Afin d'instaurer un climat de confiance avec celle-ci et qu'elle se sente sécurisée, l'établissement dispose d'une salle de montre. La décoration intérieure crée un environnement chaleureux et en accord avec l'image de marque. Afin de planifier une réunion en face-à-face ou par appel vidéo, les clients peuvent visiter le site web sur la plateforme Squarespace. Bien que nous soyons un pure player, nous valorisons les aspects humains et environnementaux. En fournissant un sac de lavage écologique lors du premier achat, on permet aux clientes un bon entretien afin de prolonger la durée de vie du sous-vêtement. Dans le but de réduire les dépenses au cours de la première année, 60% des communications sont consacrées aux relations publiques, 30% aux médias sociaux et 10% aux publicités numériques payantes comme Google Ads. Dans les stratégies de relations publiques, on mise sur les chroniques mode, les magazines et les podcasts qui pourraient bien promouvoir notre marque et la faire gagner en visibilité sans frais supplémentaires. Des démarches ont été faites auprès de ces personnes concernant une éventuelle collaboration en matière de relations publiques. Afin d'établir un repère de bien-être auprès des femmes, Ella Lingerie tisse une relation de confiance et humaine avec ses clientes.